Quand ta boule rignon commande, ça m'en dambé, quand ta banron le guila. Écoute, votre affaire n'est pas claire. Il y a une combine. Il y a un truc pas net du tout. Comment est-ce qu'une femme libre, instruite, émancipée comme toi peut accepter des coutumes comme ça? Hein? C'est pas possible. Regarde. Je ne vois même pas comment est-ce que tu as pu accepter ça. Et puis, de toute façon, c'est pas si facile que ça. Dans ta vie, il y a quelqu'un. Tu es un mec, non? Je l'ai quitté. Ou si tu préfères, on s'est quitté. Hey, écoute, ça c'est même pas un problème. De toute façon, tu es jolie, tu vas en trouver un autre. Ok? En attendant, votre truc là. Je n'en cherche pas. Puisque la coutume a fait de toi mon mari. Quelle coutume? Notre coutume. Quelle coutume? Notre coutume. Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire de vos coutumes? Je te dis que je ne vais pas respecter ça. De toute façon, chez moi ça ne marche pas. Ça je te préviens. Hein? Moi, votre coutume là. Non. Ça. C'est pas possible. Mon cher ami, tu seras obligé. Car chez nous, en cas de vacances conjugales, la soeur a appelé à la rescousse. Donc, me voici tout à toi. Toi, tout à moi? Oui. Moi, je ne veux pas de ça. Écoute, écoute bien. Tu parles pour parler. Il y a des détails techniques que tu ne maîtrises pas. Okay. Tu veux que je partage le même lit que toi? Ok? Faire les mêmes choses que je faisais avec ma femme. Non, c'est pas possible. Hein. Ça. Et pourquoi pas? Je ne suis pas une femme. Tu es la soeur de ma femme. Et après? Chez nous, la soeur de ta femme, c'est aussi ta femme. C'est pas possible. Bon, et puis d'ailleurs, on est en train de débattre. Si Olga revient, tu fais quoi? On fait comment? Ah! Mais tu as tout à gagner. Tu auras deux femmes pour toi seule. Mais laisse-moi te dire une chose. Olga ne reviendra plus. Ok? Mets ça dans ta tête une bonne fois. Elle va revenir, piao. Toi, t'es qui? Tu es Dieu. Moi, ma femme va revenir. Et puis, ton affaire de deux femmes là, avec une femme même, je m'en sors pas. C'est moi, tu vas assassiner. Tu veux me tuer? Toi, je veux pas de toi. Je suis que c'est un piège. Je n'entre pas dedans. Piège ou pas piège, je suis là et je resterai là. C'est ce qu'on va voir. On verra bien. Oui. Mm-hmm. Et j'ai parlé de ton projet autour de moi. Il y a des gens qui se sont inscrits. Mais concrètement, comment ça va se passer? Bon, je vais avoir quelques séances avec eux. Je vais écouter leurs problèmes de couple et ensuite j'essaie de leur prodiguer des conseils. Et après 3-4 séances par là, j'évalue le couple pour voir si dans leur vie même les choses se sont arrangées. Ok. Est-ce que tu es sûr d'y arriver? Parce qu'il n'y a pas de fin au problème de couple, hein? C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais tu oublies que je prenais des cours en psychologie. Donc avec ça, si je mets ça en pratique, je pense que ça devrait aller. Ouais, en tout cas, ils se sont inscrits. Mais
Dis, tu comptes commencer quand? Le plus tôt possible. Dès que c'est possible, tu me dis seulement. Ok. Donc on fait ça comme ça. Ouais, okay. Je vais m'occuper de mes clients. D'accord. Allô? Bonjour, Tom. La famille? Oui, ça va, tout le monde va bien. Oh, oui. Alors, j'appelais pour savoir si tu serais au courant d'une coutume dans la région d'où est originaire Olga qui autorise deux sœurs à épouser le même homme. Oui. Chez eux, par exemple, quand ta femme est satisfaite du traitement que tu lui fais et qu'elle se sent âgée, elle peut faire venir sa petite sœur comme co-épouse. Selon eux, ça évite la jalousie. Ah, mais ça, c'est dans l'ancien temps, tonton. Qui fait ça encore, de nos jours, hein? C'est très rare, en effet. Bon, là, il y a la sœur à Olga qui s'est pointée chez moi, sous prétexte de cette coutume-là, et qui veut que je la prenne comme seconde épouse. Mais je suis pas d'accord. Ça ne me regarde pas. Tu as montré que tu étais insatiable en matière de femme, non? Tu dois être content maintenant. Ah, tonton, il faut que tu me mettes sur ce coup-là. Sinon, c'est pas bon. Quand tu cherchais ta femme, je t'ai dit de prendre une fille de chez nous. Tu m'as envoyé balader en évoquant l'amour. Aujourd'hui, tu ne l'aimes plus ou quoi? Non, c'est pas ça. Mais cela a fait de coutume. Ils veulent venir me fatiguer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas me laisser faire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pourquoi? Ah, tonton, il faut que tu m'aides. Hein. Il faut que tu m'aides. Ça te regarde. Tu assumes tes bêtises. Ah, mais tonton? Pour une fois, comporte-toi comme un adulte. Ok, d'accord. Donc, au revoir. Oui, dame. Safi, je te présente mon ami Séraphin. Il vient tous les temps chez moi à la maison. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Safi, tu vois, non? Rien qu'à te voir, il devient timide. Bon, voilà. Séraphin dit qu'il veut t'épouser. Ça fait un moment qu'il t'a remarqué et il est vraiment amoureux de toi. Ou bien? Oui, ça aussi c'est vrai. Mais tu sais que si un homme me veut, il faut qu'il aille voir les oncles au village. Moi, je propose plutôt que toi, tu ailles dans lui son village. Vous allez aller voir ses oncles. Ou bien, il faut changer. On ne peut pas tout le temps faire la même chose. Ah oui, tu as raison. Et chez nous, c'est l'homme qui amène sa femme pour la présenter au village. Voilà. Et chez toi, c'est où? Oh, ça fait ici. Toi, t'as des problèmes. C'est quoi? On veut t'aider et puis toi, tu continues à t'enfoncer. Hein? Tu penses que tu peux encore avoir quelqu'un comme lui qui va s'intéresser à toi? À mon avis, tu devrais foncer sans réfléchir. Sinon, tu finiras vieille fille avec enfant sans père. Hey, je n'aurais jamais été dans une situation pareille si tu m'avais prise comme ta femme. Au lieu de ça, tu m'as obligée à rester avec Tapi. Maintenant, voilà. Oui, mais ça, c'est une histoire ancienne. Oui, Delima Kimbi. Delima Shui. L'aimé Kenny a mis moi. Je te promets que tu seras traité comme une reine. Oui. Et ton enfant, enfin, notre enfant désormais, sera traité comme un prince. Hé, hey, mon ami. Tu es sûr que tu n'es pas fou? Oh. Je suis bien normal. Je
Chérie, tu cherches quelque chose? Hé, hey, je paye moi. Hein. Qui est ton chéri? Je cherche mes clés. Tu dois sortir? Oui, je dois aller retrouver des amis pour une rencontre. Et tu m'as rien dit? D'accord. Mais un homme normal informerait sa femme? Ou bien? Rêve toujours. D'accord. Dorénavant, dans cette maison, tu me diras tout ou tu n'iras nulle part. Ah bon? Oh oui. Ici? Ici même. Chez moi-même? Mm-hmm. Toi, tu m'imposerais des lois chez moi? Ouais. De quel droit? Ça va pas être possible. Tu es sûr? Donne-moi mes clés. On y va ensemble. Toi et puis qui? Nous deux, bien sûr. Non, 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 ça c'est pas possible. Ok. C'est pas possible. Donc tu restes là. Donne-moi mes clés. Femme, donne-moi mes clés, je vais partir. Tu sais, je ne suis pas un pot de fleurs que tu poses là comme ça. Ok? Soit on va ensemble, soit on reste. Ensemble. C'est pas mieux pour toi. Je le souhaitais, j'ai calé des rendez-vous avec des inscrits déjà. Et j'espère que tu vas assurer comme d'habitude. J'avoue que je suis un peu stressée. C'est quand même des couples en difficulté. Tu imagines si je gère ça mal? Tu imagines les conséquences? Sandra, tu n'es pas Dieu. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui paye pour la consultation. Tu changerais jamais, toi. Saga est dans son bureau. Et tu veux dire patron Saga? Tu sais, c'est le patron maintenant. Ouais, c'est ça. En retard comme d'habitude. Tu Va te laisser faire. Ah, voilà ça. Je monte. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Okay. Notre monsieur Saga, c'est bien ça? Oui. Et vous êtes monsieur? Oh, monsieur Saga, appelez-moi monsieur Lee. Ah. Monsieur Saga, j'ai un homme d'affaires qui vient pour passer 5 jours dans notre pays. Mm-hmm. Et pour lui rendre un séjour agréable, j'ai besoin d'une Scott Girls. Vous voulez quoi? Une Scott Girls. Une fille très belle, charmante, élégante. Une fille qui a tout là où il le faut, vous voyez un peu ce que je dis. Une fille qui peut l'accompagner au restaurant. Vous voyez un peu au cinéma, pourquoi pas en boîte? Monsieur, j'ai quitté les réseaux de la prostitution. Maintenant, je travaille dans une agence de rencontres sérieuse. Monsieur ouais. Saga, monsieur Saga, je ne vous parle pas de prostituée, mais je vous parle d'une Scott Girls. Une fille qui peut agrémenter le séjour de mon homme d'affaires, voyez un peu ce que je dis. Voilà, monsieur Saga. Si c'est les prostituées, je sais là où en trouver, monsieur Saga. Dans ton affaire, là, il y a du sexe ou il n'y a pas du sexe?
Oh, Monsieur Saga, s'il y a du sexe, ça, c'est pas notre problème, Monsieur Saga. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein? Mais pour moi, c'est la même chose. Mais parlons concrètement. Moi, je gagne combien dans cette affaire? Oh, Monsieur Saga, vous me présentez la fille. Si elle fait l'affaire, moi, je vous paye 50 000 sur place. Les demoiselles, il y en a pareil. Mais si vous voulez des filles classe, il faut miser plus. Voilà. Oh, Monsieur Saga, vous savez, je suis dans un business, hein? Si ça marche, moi, je vous fais un bonus. Mais vous saviez, je veux parler directement à la fille. Ah non, mais il faut que je sache combien vous allez la payer. Là, c'est pour mieux négocier, vous voyez? Oh, Monsieur Saga, c'est pas négociable. C'est pas du tout négociable, Monsieur Saga. J'espère qu'on va se comprendre, Monsieur Saga. On va se comprendre. N'est-ce pas? On fera de très bonnes affaires, Monsieur Saga. Merci d'avoir fait confiance à notre agence et de venir vous confier à nous. Ensemble, nous allons essayer de trouver des solutions pour que votre couple puisse retrouver la joie de vivre. Mais pour cela, je vais vous demander de parler franchement, avec courtoisie et surtout en prenant le temps d'écouter l'autre. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. Ok. Depuis combien de temps vous vivez ensemble? 12 ans. Vous êtes mariés? On a fait une cérémonie traditionnelle et religieuse, mais monsieur n'a jamais voulu aller à la mairie. Est-ce qu'il y a un problème particulier qui fait que vous n'avez pas voulu vous marier à la mairie, monsieur? Je ne veux pas, c'est tout. Ah, ok, je comprends. On va en parler beaucoup plus tard. Vous avez des enfants? 4. Depuis combien de temps ça ne va pas dans votre couple? Depuis 3 mois environ. Et qu'est-ce qui ne va pas concrètement? C'est toi qui as eu l'idée de venir ici, non? Ne me regarde pas. Madame, mon mari. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu vois, c'est ça ton problème. Toi, tu es parfaite et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi. Monsieur Drabo, soyez gentil. Laissez-la parler. Madame, continuez. Depuis qu'il a eu du travail, il a changé un coup. Tous les jours, on fait la bagarre. Rectificatif. Tous les jours, je te frappe. Tu es trop petite pour faire la bagarre avec moi. Bon, écoutez, avant de continuer, je vais vous rappeler qu'on est ici pour essayer de discuter et trouver des solutions. Et au départ, je vous ai demandé de parler avec courtoisie. Monsieur Drabo, est-ce que je peux compter sur vous? Dans ce cas, évitez les propos blessants. Madame. Depuis qu'il travaille dans la mine d'or, quand il a sa récupération, il sort le matin. Et si par chance il vient à midi, c'est pour se changer et disparaître. Il faut compter après minuit pour voir monsieur se trimballer et venir ronfler comme un vieux tracteur. Vous voyez comment il parle? Vous comprenez donc que je ne la frappe pas gratuitement? Ne soyez pas fier de ça, monsieur Drabo. La violence, c'est l'arme des faibles. Pourquoi vous voulez battre une femme que vous prétendez aimer? Vous pourrez simplement discuter avec elle. Comment? Celle-là, tu ne peux pas discuter avec elle et te faire comprendre. Non. Hé, quand tu ne travaillais pas, tu étais tout le temps à la maison. Et c'est moi qui me débrouillais pour faire vivre la famille. Est-ce que je faisais comme toi? Et c'est à cause de mes 4 années de chômage où on mangeait de n'importe quoi que tu veux te foutre de moi? N'importe quoi. Mais tu mangeais quand même, non? Et ça, grâce à moi. Maintenant, tu sors, tu bois et tu viens ronfler pour empêcher les gens de dormir. Attends. Ronfler là-haut. C'est hier, ça a commencé ou bien c'est le mois passé? Tu ne m'as pas connu ronfleur et tu t'es marié à moi? Je vais boire bien et venir ronfler comme un vieux Boeing si je veux. Voilà pourquoi tu vas dormir encore sur la terrasse. Tu dis quoi? Monsieur Drabo, attendez s'il vous plaît. Allô? Allô? Abou à l'appareil. Abou? Quel Abou? Vous n'avez pas lancé
fille à un certain Abou récemment. Tu me prends pour une fille facile? Non, pas du tout. C'est juste qu'à ce jeu-là, vous ne faites pas le poids. Ah bon? Absolument. Ok. Tu sais quoi? Je suis à toi si tu arrives à séduire 3 filles de mon choix. Ouais. Mais si ce n'est que ça, bah vous pouvez déjà commencer à vous déshabiller. Dans tes rêves, ça ne va pas ou quoi? Où et quand? Comment? Dites-moi où et quand est-ce qu'aura lieu le premier défi? On va dire lundi à 9h au Cocotier. Ça te va? Ok. Je ne vous décevrai pas. Ouais, ouais, c'est ça. Qui t'a donné mon numéro? Waga est petit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Non, juste pour entendre ta voix. Ouais, c'est ça. Idiot. Wagalov, bonjour. C'est encore moi. Mon ami, si toi tu n'as rien à faire là, il y a des gens qui travaillent ici. Hein. Bon, désolé si je vous dérange. Oui, tu me déranges. Ok, je vous laisse alors. Et à lundi, 9h au Cocotier. Ouais, c'est ça. Ton malin là va finir avec moi. Idiot. N'importe quoi. Lui, il se sent. Hein. Tenez, la dernière fois, je rentre la nuit. C'était le matin. Parce que c'était 3h. C'était précisément 3h du matin. Madame. Continue. Je disais, je rentre la nuit et je trouve que le portail est condamné à l'intérieur. Je prends le mur. J'arrive à la porte du salon. C'est fermé. Je tape. Je fais le tour jusqu'à la fenêtre de notre chambre. Je tape. Je l'appelle. Je tape. J'appelle. Finalement, tu as dormi sur la terrasse. Une maison que je paye en travaillant dur comme un âne. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est que les enfants m'ont vu le matin dehors couché à même le sol. J'avais même vomi et je dormais dedans. Si elle me met la honte comme ça, est-ce que mes enfants vont me respecter? Bon, là où ça va pas, c'est que vous êtes rentré au petit matin et ivre de surcroît. Pourtant, vous auriez pu rentrer très tôt pour vous reposer et être avec votre famille. Au lieu de ça, Monsieur boit trop. Il coule les petites filles dans les bars. Oui, oui. Parce que j'ai l'argent et parce que tu me fatigues quand je reste à la maison. On se calme. Si on veut se comprendre, il va falloir se parler autrement. Avec plus de respect. Je pense que vous êtes venu ici parce que vous voulez que ça avance, oui ou non? Sinon, vous serez resté chez vous? On se calme. On se parle avec plus de respect. Et surtout, on prend le soin d'écouter l'autre. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Et je serai obligée d'arrêter l'entretien. Et on va se quitter sur ça. Allô, Cécile, bonjour. Oui, comment ça va? Oui, en fait, le matin quand je suis passée laisser Dylan, tu étais sous la douche. Donc, du coup, je n'ai pas pu te voir. Oui. Juste un bonjour, hein. D'accord. À la descente, alors. Allez, bisous. Bye bye. Bon, écoutez. Je pense que vous avez fait un grand pas. Le fait de se vider chacun. Mais c'est surtout votre détermination à sortir de la crise qui est plus importante. Essayez d'observer tout ce qu'on a dit. Et puis on se revoit. Ok. Allez. Merci madame, on a compris. Au revoir madame, et encore merci.